Bah salut, c'est encore moi. Cette fois je vais être tout seul pour ma vidéo. Des fois d'être tout seul c'est un peu mieux pour les vidéos. Là je vais faire un délire avec les codes. Cette fois vous pouvez être sûr que c'est moi qui vais jouer et puis bonne vidéo. Une petite zone torneau pour changer. Il faut pas faire d'accident non plus, surtout des accidents bêtes comme ça. Excusez-moi, j'ai une petite absence. Je pense que je vais aller à l'aéroport, puis je vais prendre un petit avion. Je préfère prendre les avions à l'aéroport parce qu'ils sont un peu plus finis. Et je vais prendre le gros avion. Le gros, 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 gros. Mais je préfère vous dire tout de suite, je suis prudent parce que c'est une voiture que j'ai quand même payé très cher. Puis après, si je la perds, j'ai plus de place dans la fourrière. Après, je serai obligé d'en refaire une. C'est une demi-heure, perdre beaucoup d'argent. J'ai pas trop envie de cacher tout cet argent. Enfin, même si ça va, c'est le mode solo. Heureusement que c'est pas le mode online. Je peux vous dire que je ferai pas de vidéo online avant un moment. Voilà. Puis que j'utilise beaucoup la capacité spéciale des fois. Je vais un peu vite. On peut aller beaucoup plus vite que ça. Bon, ma voiture est un peu beaucoup éclatée. Mais bon, c'est rien. Et... c'est pas grave, vous moquez pas, j'ai rien fait. C'est rien passé, je l'ai fait exprès. Ça par contre, je vais vous avouer que c'était vraiment fait exprès. J'avais envie de faire une cascade et puis de retourner là où je devais aller. Et ça n'a pas vraiment marché. Hein. Donc là, je suis en train de faire un peu tout le tour. Juste pour une petite erreur, quoi. Ma voiture, elle est défoncée. Heureusement que le code, ça existe. Ah, si les codes, ça n'existait pas, je pense que... pour moi, dans GTA Solo, ça aurait été impossible. Même si avant, je n'utilisais jamais les codes. Voilà. Mais je suis mort. Je pense que vous l'avez tous vu. Et j'espère que je pourrai retrouver ma voiture. Ah si, je viens de me souvenir, en fait, j'ai de la place dans la forêt. Mais je crois que je vais faire apparaître un hélicoptère direct et puis je vais y aller, quoi. Je mets en pause pour vous épargner le moment où je vais mettre le code parce que je vais mettre du temps à trouver. Tout de suite. Voilà, 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 le bizarre est arrivé. Je pense qu'il va bientôt exploser. Mais j'espère pas. On va en profiter vite fait, missile. Assaut! Chef de la police, quelqu'un attaque l'aéroport.
Pousse-toi. On va exploser. Bon, je vais vous dire direct, je vais vous épargner ce moment parce que je vais mettre un code. A tout de suite. Ben voilà, j'ai mis le code Superso. Je viens de m'apercevoir que l'écran était un peu tombé. Je sais pas depuis combien de temps c'est comme ça. Regardez ce saut. Il est immense. Il est... Parachute, parachute. Sur les fesses. Je vais prendre l'avion le plus gros. J'espère que les vidéos que vous faites, bah, ça vous plaît, quoi. Parce que là, je suis tout seul, mais tout à l'heure, vous avez vu, je sais pas si vous avez très bien vu, mais dans la vidéo, bah, Théo m'avait un petit peu énervé, mais là, ça va, c'est pas grave. Là, en fait, moi, je vais faire des vidéos sur GTA que quand je joue à GTA. Si je joue pas, en fait, à chaque fois que je joue à GTA, juste pour moi, en même temps, je fais une vidéo. C'est souvent comme ça que je joue à un jeu en fait. Ouais, on voit l'ombre en bas ici. On voit l'ombre de l'avion. Il faut pas que je baisse. Je vais essayer d'atterrir au-dessus de Maze Bank. Faut monter. Wow, regardez l'avion. On n'a même pas vu l'explosion. Je l'ai raté. Oh. Pic. Bon, je suis désolé, j'ai un peu raté. La Maze Bank. Je sais même plus où elle est. Voilà. Il y a le FBI. Je pense pas qu'avec un super saut, je pourrais y arriver. Bon, bah, je crois qu'on va sauter. Hein. Bah, je vais juste. En fait, je pense. La bombe est juste là. Je me demande en fait si quand je suis caché là, ça me fait quelque chose. Faut que je me dépêche de faire le code d'invincibilité. Ah mais non, je peux pas faire les codes, c'est pas grave, on verra. Je suis mort avant, je suis mort. Rien. Cette fois, je vais pas faire de code. Je vous fais beaucoup de vidéos sur GTA parce que je suis en train de jouer à GTA, j'en profite. C'est pas comme quand je filme sur mon téléphone. Je filme avec mon téléphone, mais... Je veux dire, ça bug pas. Je pense que je vais aller chercher la T20. Je vais mettre en pause la vidéo parce que je vais mettre vraiment beaucoup de temps pour aller la chercher. A tout de suite. Bon, on se retrouve encore. J'ai eu des petits soucis avec la police. Hein. Je les ai un peu provoqués en prenant une voiture. La voiture, je l'ai prise au sniper. J'ai tué le conducteur. La voiture continuait d'avancer parce que le conducteur avait le pied sur la pédale. Et après, c'était fini.
Là, je pourrais prendre la moto aussi. Hein. Après, pas grave, je vais prendre la T20. J'aurais peut-être pas dû faire ça, hein. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. C'est mieux que je fuis parce qu'après je vais avoir encore la police. Wow. Mega stunt à Max Delight pour ces méga stunt. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Wow. Okay. Alors quoi, c'est pas grave, les armes avec la police, tout le temps. Légitime défense, hein. Légitime défense. Si vous voulez savoir, pour faire la compétence spéciale au ralenti, comme ça, même si là, ça marche pas trop, parce que je vais me crever. Bah, pour faire ça, en fait, il faut appuyer sur le bouton L et R. Il faut appuyer sur les deux joysticks en même temps. Et aussi, je voulais vous dire, pour regarder en arrière comme ça, il faut appuyer sur le joystick de droite. Autrement dit, comment ça s'appelle déjà? R3. Ouais, R3. Et pour klaxonner, hein, vous connaissez, je pense, c'est L3. Bâtard avec son vélo là. Regardez, c'est pas moi. Le coupable, il était en T20. J'ai rien fait. J'ai pas de T20. C'est la preuve, c'est pas moi. Mais je crois que ça va s'arrêter ici pour la vidéo. On va finir sur ce petit. Bon bah à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Partagez, commentez, partagez, parlez-en à vos amis et puis à très bientôt.